Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième journée de conférence. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'exposition qu'on a montée à la bibliothèque qui s'appelle « We choose to go to the moon ». Et une exposition montée en partenariat avec Space et Nature Service. Donc déjà au nom de la bibliothèque, je vous souhaite la bienvenue, cher professeur Mélan. Bienvenue aussi Nour de l'association Space et Nature Service. Et puis je vais vous passer tout de suite la parole pour présenter notre conférencier. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors je représente l'association Space et Nature Service qui organise notamment aussi des Astronomy on Tap. Aujourd'hui notre conférencier s'appelle Georges Mélan. Alors, après une thèse en astrophysique en 1985 à l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève, Georges Mélan a passé quelques années en postdoctorat à l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis, et au siège de l'Observatoire européen austral à Munich. Il occupe ensuite des postes d'astronome à l'ESO de Munich et à l'Institut des sciences du télescope spatial à Baltimore. Depuis 2004, il occupe la chaire d'astrophysique à l'EPFL. Ses recherches portent sur la cosmologie d'observation, notamment le phénomène de lentilles gravitationnelles, les quasars et leurs galaxies hôtes, la formation et l'évolution de galaxies du début à la fin de l'univers, mais aussi sur la dynamique et les populations stellaires des galaxies proches et lointaines. Aujourd'hui, il nous parle de l'évolution de la perception humaine de la Lune avec « Demander la Lune ». Merci beaucoup, merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être au Rolex Learning Center. Je vais effectivement aujourd'hui vous parler de la Lune et de la perception, de l'évolution de la perception humaine au cours des siècles. Tout le monde, une fois ou l'autre, a été émerveillé par un lever de Lune proche de l'horizon. Elle apparaît toujours beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité, elle est toujours en fait la même taille. Une autre photo, et encore presque plus belle, c'est une photo prise au téléobjectif d'un autre lever de pleine lune. Celle-ci est non pas comme la précédente en France, mais elle a été prise au Dakota du Sud, aux États-Unis. Et chaque fois, on est émerveillé par de tels phénomènes complètement naturels qui arrivent essentiellement une fois tous les 28 jours, s'il fait beau évidemment. Et puis de temps en temps, on a la chance de voir un fin croissant de lune et ce que l'on appelle aussi la lumière cendrée. Je ne sais pas si vous le voyez dans cette salle relativement claire, mais on voit en fait le croissant ici, puis là on devine ce que l'on appelle la lune cendrée, c'est-à-dire une partie de la lune non éclairée par le soleil, mais qui rayonne quand même faiblement et a une couleur effectivement de cendre. La Lune fait un tour, une révolution autour de la Terre en 28 jours. Et vous avez quatre phases essentielles. La nouvelle Lune, c'est-à-dire quand elle est entre la Terre et le Soleil, on ne la voit pas. En fait, on pourrait ne pas la voir du tout. Et ici, vous avez déjà un ou deux jours après la nouvelle Lune ou avant, tandis que lorsqu'elle est vraiment à la pleine Lune, on ne voit rien du tout. Quand elle est avancée de 7 jours, c'est le premier quartier. Il y a un premier croissant, le premier quartier. Ensuite, elle est gibbeuse croissante. Il y a la pleine lune que je viens de vous montrer quelquefois. Et puis ensuite, gibbeuse décroissante. Au 21e jour, il y a le dernier quartier, le dernier croissant. Et c'est de nouveau le cycle de 28 jours, grosso modo. Tout au long de l'humanité, les êtres humains ont été frappés par la Lune, par la beauté, par le rythme aussi de cette révolution autour de la Terre, et elle a souvent été prise comme une divinité. Divinité parfois féminine, les Grecs avaient en fait personnifié la Lune comme étant la déesse Sélénée, qui était en fait l'équivalent de Diane dans la mythologie romaine, Sélénée qui est la déesse de la lune, de la chasse, et qui est la sœur aussi d'Apollon. Sélénée qui est représentée ici sur une très belle stèle, c'est en fait un autel qui a été évidemment pris par les Occidentaux et ramené de Grèce à Paris, au Louvre. On voit Sélénée, dont le visage ressemble étonnamment à Virginia Woolf, en fait. Il y a une photo de Virginia Woolf qui est presque identique, et c'est évidemment, je pense, fortuit. La Lune, un croissant de Lune ici, et puis il y a Phosphoros et Hespéros, qui sont respectivement l'étoile du matin et l'étoile du soir,
mais qui en fait ne représente qu'un seul objet, c'est la planète Vénus que l'on voit de temps en temps le matin, de temps en temps le soir. Et puis, il y a également des représentations masculines. En fait, on dit « la Lune » en français, mais je vous rappelle qu'on dit « der Mond » en allemand. Donc, il y a aussi une perception de la Lune qui change de genre. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Et pendant l'Antiquité, en Mésopotamie, par exemple, les Sumériens représentaient la Lune par le dieu Nannar, qui n'a absolument rien à voir avec Bernard Tapie, et dieu de la Lune et de la sagesse. Et c'est en fait des perceptions qui sont connues depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est un dieu en fait extrêmement ancien. Il y aura aussi Chandra, dont je vous montrerai une photo dans quelques secondes. Chandra, qui est pour les hindous, le dieu de la lune. Voilà pour les Égyptiens, le dieu de la lune qui s'appelle Thoth. Il est représenté parfois par un ibis, mais ici par un babouin. Il était le seigneur des paroles divines, il est le scribe des dieux et il symbolise la lune dans le parcours qu'elle exerce autour de notre terre. Et en fait, Thoth était un grand calculateur et il dresse le calendrier, il divise le temps et il préside à l'écriture de l'histoire. Et il faut savoir que déjà en ce temps-là, les gens arrivaient à prédire la répétition des éclipses totales de soleil et de lune. Donc c'était peut-être une aide que Thoth avait prodiguée à l'humanité. Un autre exemple, c'est le dieu Khonsu. Dans l'Ancien et le Nouvel Empire, Khonsu, qui est un dieu qui est représenté ici sous forme momiforme, il est coiffé d'une très belle tresse que l'on voit ici. Il y a évidemment la lune et un croissant de lune aussi, et il peut se renouveler. Comme la lune, il a la chance d'avoir un cycle de répétition. La lune, c'est 28 jours. Lui, je ne sais pas quelle était la longueur de son cycle. Et il était également considéré comme un dieu guérisseur. Et puis Chandra, dont je parlais tout à l'heure, chez les hindous, Chandra, qui est également le dieu de la lune. Un nom Chandra que l'on retrouve dans quantité de familles. Un des plus grands astrophysiciens du XXe siècle s'appelait Chandrasekhar. Et je ne sais pas exactement quelle est l'étymologie de ce mot de famille, mais il contient le mot lune. Je souligne que jusqu'en 1609, les êtres humains ont toujours observé le ciel et donc la lune à l'œil nu. Il n'y avait pas de télescope, pas de lunettes, pas de moyens ingénieux d'augmenter l'apparence du rayon apparent. Et durant toute l'Antiquité, déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a des précurseurs tels que Anaxagore, philosophe grec, qui postulait que la lune était en fait probablement un agglomérat de cailloux, de vallées, de rivières, de montagnes, comme était notre Terre. Et d'autres très précients, comme Héraclide du Pont et Aristarque de Samos, déjà au IVe et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, vont montrer que la Lune tourne autour de la Terre et ils vont également supposer que les planètes tournent autour de la Terre et non pas le système géocentrique qui était en faveur. Ces idées vont passer, si vous me passez l'expression, à la poubelle et il faudra attendre Copernic en 1543 pour 2000 ans plus tard revenir à la même vérité vraie. Ceci dit, les gens s'amusaient quand même sans télescope et vous avez ici un des exemples les plus récents, juste avant Galilée, d'une carte de la Lune. Elle a été construite par William Gilbert qui a observé la Lune à l'œil nu et puis qui voyait des taches, qui a en fait vu ici. Alors je vais comparer avec une... Vous voyez par exemple cette tache ici, on la retrouve là. Cette espèce de fourchette, on la trouve ici. La grande île, on la trouve ici. Bref, on voit que le bonhomme, à l'œil nu, avait vu des vallées, des mers, comme l'on dit, qui sont des abus de langage. Il n'y a pas d'eau véritablement à la surface, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de vagues. Il pourrait y avoir un tout petit peu d'eau dans certains endroits près des pôles. Et tout va changer avec Galilée.
qui est probablement un des trois plus grands scientifiques de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il y en a quelques autres de très grande valeur, mais je considère quand même que Galilée, Newton et Einstein sont les trois véritables génies qui ont complètement changé notre compréhension de l'humanité et de l'univers dans lequel elle se trouve. Donc Galilée, qui naît en 1564, décède en 1642, et durant l'hiver 1609-1610, il va pointer cette toute petite lunette, qui est ici, elle a 60 cm de long, 2 cm à peu près de diamètre. C'est une des deux seules d'origine qui a survécu depuis ces temps reculés du début du XVIIe siècle. Et on voit ici l'oculaire de la lunette, et j'aime beaucoup souligner le fait qu'en ce temps-là, on mélangeait, on combinait les arts, la beauté avec la science. Et les gens sont amusés à faire ces sortes de décorations. Nos grands télescopes de nos jours n'ont plus de telles décorations. Ce qui n'est d'ailleurs pas... Je ne suis pas pour des actes artistiques sur les télescopes actuels. C'est juste une évolution culturelle. Et Galilée observe la Lune. Il l'observe quand elle est pleine, quand elle est à moitié disparue. Et il l'observe surtout dans deux quartiers opposés. Et vous voyez que ce grand cratère ici et là, il est éclairé par le soleil rasant une fois sur le côté gauche et une fois sur le côté droite, ce qui est preuve de l'existence de montagnes, de variations de niveau sur la Lune. Ce qui va évidemment horrifier certains du côté de Robe, mais il n'empêche que Galilée va publier tous ses résultats dans le Sidereus Nuncius, le nonce sidéral, l'annonceur sidéral. Et ça va complètement changer. Galilée a fait quantité d'observations qui vont complètement changer le paradigme, notre vision de notre univers d'alors, qui est beaucoup plus petit que ce que l'on connaît aujourd'hui, évidemment. Et il va y avoir des cartographes, des astronomes tels que Thomas Harriot et puis Michael van Langren qui vont en fait s'amuser à nommer, à donner des noms à tous ces cratères. Il y a le cratère de Copernic, il y a le cratère de Tycho Brahe, et voilà. Et un des grands dessinateurs de cette lune va être Jean-Dominique Cassini. Au départ, il s'appelait Giovanni Domenico Cassini. Il était originaire de Savoie. La Savoie n'était pas encore partie intégrante de la France. Elle allait de peu près Annecy jusqu'à Nice, en incluant Turin et d'autres régions italiennes. Et donc, son nom italien a été francisé plus tard. Et ça a été, en fait, un des très, très grands astronomes de son siècle, à moitié sur le 17e et 18e siècle. Et il va faire une carte extrêmement précise qui restera en fait la plus précise de ces cartes jusqu'à l'avènement de la photographie. Et voilà la carte, on voit la Lune. Il y a, ça c'est le Copernic, le cratère Copernic, Tycho Brahe est par là. Et quand je la compare avec une Lune à peu près orientée de la même façon, on reconnaît de nouveau ces grandes vallées, ces grandes plaines, je dirais de lave. Ici également, on reconnaît cette tache et cette tache ici. Et là, bref, c'était le sommet. On voit en même temps aussi des aberrations qui sont dues à des phénomènes physiologiques et qui vont induire, deux, trois siècles plus tard, la confusion et la croyance en des canaux martiens. Vous regardez ce grand trait qui traverse ici, qui est une sorte d'énorme cicatrice, un peu comme si la Lune était une boîte qu'on pouvait dévisser et dont on verrait l'intersection des deux moitiés. Eh bien, regardez, on la voit en fait ici, mais soulignée de façon... L'œil nu a dû induire en erreur Cassini, qui a exagéré en fait l'importance de cette cicatrice. Ça ferait penser un peu à la St. Andreas Fault aux États-Unis. Bref, la Lune, de temps en temps, est également considérée non pas comme un objet positif, mais plutôt négatif. Et vous avez ici, de Gustave Moreau,
une toile intitulée « Le Christ au jardin des Oliviers » ou « Au mont des Oliviers ». Et en fait, on voit le Christ qui est auréolé ici, qui attend son arrestation sagement au pied d'un olivier. Puis la lune ici préfigure sa mort prochaine. La lune également invite à la beauté, la plupart du temps, heureusement. Et de nombreux artistes, en fait, sont attachés à la représenter dans toute sa splendeur, avec les effets lumineux qu'elle peut créer à la surface de la Terre. Et je vais vous montrer une toile qui est intitulée « La nuit de claire lune sur le Dniepr » d'un Quincy, qui, en fait, est une très belle toile peinte en 1880 et qui représente un clair de lune. La lune est pleine ici. Le Dniepr est ici. On voit un chemin de lune et puis on devine quelques maisons. Vous pouvez aller la regarder sur le web. Elle est en présentation actuellement à Paris aussi, au Grand Palais. Bref, c'est une toile qui est marrante et qui a induit les gens en de grandes inquiétudes, parce que les gens qui ont, 19e siècle, ont vu cette toile se sont demandé s'il n'y avait pas une lumière qui éclairait par derrière, s'il n'y avait pas peut-être des peintures, des produits phosphorescents qui donnaient cette clarté. En fait, c'est simplement la conjonction, la superposition de clair et obscur qui donne cette très belle toile. Et puis, il y a également le grand Manet a peint la lune dans un clair de lune sur le port de Boulogne. Cette toile, en fait, est absolument superbe. On voit ici, il est arrivé à donner aussi cette impression de clarté, néanmoins. Clarté très, très peu visible, en ce sens qu'il n'y a pas assez de photons pour qu'on voit les couleurs véritablement. Quand la luminosité est en dessous d'un certain seuil, nos yeux ne voient plus les couleurs. Et en fait, c'est ce qui est représenté ici de façon saisissante. Au cours du 19e siècle, il va y avoir l'avènement de la photographie qui va complètement changer quantité de pans de la science, y compris évidemment l'astronomie. Et la science va petit à petit induire une approche complètement scientifique et non plus avoir ces travers. Les canaux de Mars, par exemple, ont été montrés comme étant faux grâce aux premières observations photographique, excusez-moi. Et donc voilà, prise par John William Draper en 1839, c'est-à-dire au tout début de l'aventure photographique, il prend une pause d'une demi-heure de la Lune. On reconnaît de nouveau Tycho Brahe et Copernic est ici, et elle fut prise à travers un télescope sur un daguerréotype. En fait, et c'est intéressant de voir qu'elle est encore un petit peu floue. 50 ans plus tard, une autre photo par un Paul Henry français prend une superbe photo qui ne représente qu'une fraction de la Lune, où l'on voit tous les petits cratères. Vous remarquez ici le soleil rasant qui éclaire certaines parties du cratère et non pas d'autres, comme l'avait perçu déjà Galilée trois siècles auparavant. Et puis, la Lune va évidemment faire rêver. Elle va faire rêver quantité d'êtres humains, et il va y avoir, bien avant le premier voyage en 1969, il va y avoir quantité de pseudo-explorateurs qui vont aller voyager sur la Lune, et il y a quantité d'écrivains, quantité de poètes qui vont s'en donner à cœur joie. Et un des plus marrants a été le livre écrit par Francis Godwin, qui était un évêque anglican anglais, donc, et qui a écrit « L'homme sur la Lune ». C'est un certain Domingo González, qui est un explorateur espagnol, qui, vous savez, en ce temps-là, il y avait beaucoup de duels. Et donc, quand vous réussissiez à tuer le monsieur contre lequel vous vous battiez, vous aviez intérêt à disparaître pendant quelque temps. Et c'est ce qui est arrivé à Domingo González, qui s'est exilé en Inde. Et puis, au bout d'un certain temps, le mal du pays l'a ramené du côté de Tenerife, où les Anglais ont attaqué son petit bateau. Bref,
très intelligemment, évidemment, il s'échappe sur cette espèce de petit voilier, il y a des voiles quand même, qui est tiré par des oies. Et au bout de 12 jours, assez naturellement, il va arriver sur la Lune. Et une fois sur la Lune, il y découvre un monde utopique, etc. Donc c'est une grande... Un grand mélange à la fois de rêverie, de poésie et aussi un petit peu de science. Et puis, je dirais que la caricature du voyage à la Lune, c'est évidemment de la Terre à la Lune et autour de la Lune de Jules Verne, publié en 1865, deux livres qu'on a probablement tous lus étant enfants et qui ont complètement changé l'approche de ces livres, l'approche de la vision, en ce sens qu'il y a tout à coup eu vraiment de la science-fiction. Tout ce qui est écrit dans « La Terre et la Lune » de Jules Verne est en fait une approche raisonnable, une approche plausible. Ça n'est plus un délire pseudo-poétique comme dans certains ouvrages précédents. Et il réduit donc la distance entre le réel et le fictif, l'imaginaire. Alors voilà l'obus. Ces braves gens sont trois, ils se mettent dans un obus, puis ils partent grâce à un gros coup de canon. On n'imagine pas la boulie qu'il aurait dû y avoir s'ils avaient vraiment dû effectuer le voyage comme ça. Et ils vont donc faire un voyage courageux. L'intérieur de l'obus est aménagé, je dirais, comme un petit carnet de sel. Et ils ont vaillamment, on voit qu'il y a une encre, probablement pour arrimer l'obus une fois arrivé sur la Lune. On se demande d'ailleurs pourquoi, mais bref. Et tout à coup, il y a vraiment une combinaison de science, de rationalité, et c'est probablement aussi parallèle au développement de l'astronomie et de la vulgarisation de l'astronomie dans le grand public par des gens comme Camille Flammarion, qui a déliré à certains moments, mais qui a quand même, je parle quand il écrivait des livres sur les maisons hantées, entre autres, mais il a quand même fait beaucoup de bien à l'astronomie populaire, comme son nom de son premier livre était intitulé. Et voilà. Et il y a également eu, au tout début du XXe siècle, un film, je crois que c'est le premier film du voyage de la Lune de Georges Méliès. Il est à l'initiative, le départ du grand professeur Barbon-Fouilly, qui va persuader certains de ses collègues de s'embarquer dans un obus et de partir vers la Lune. Et ils y arrivent un peu à la grande surprise de la Lune. Et en fait, c'est un film que j'ai regardé voilà quelques jours. Il est en fait sur le web, donc vous allez le regarder n'importe quand. Vous tapez Méliès, voyage dans la Lune. Et il est écrit par Georges Méliès, qui joue le rôle du grand professeur Barbon-Fouilly. Jules Verne, évidemment, a été l'inspirateur, et H.G. Wells aussi. Et on voit donc l'importance... Alors, vous verrez, ce film, c'est du Grand Guignol. Il y a des espèces de... Il y a des danseuses, du Châtelet. Enfin, c'est assez intéressant d'un point de vue historique à voir. Les effets spéciaux sont, je dirais, sommaires et ça dure 15 minutes et je peux vous dire qu'au bout de quelques minutes, c'est un petit peu long. Mais enfin, c'est quand même marrant de le voir une fois, ça n'est que 15 minutes et c'est intéressant de voir quel était le film de science-fiction au tout début du XXe siècle. Et puis évidemment, la dernière utopie, ça a été le fameux livre d'Hergé de Tintin, « On a marché sur la Lune », qui est publié en 1952. On voit qu'il y a une inspiration pour la fusée qui vient des V2 allemands, évidemment. Elle était un peu agrandie, mais enfin, c'est une V2. Et c'est ensuite, après cette dernière aventure qui n'est pas toujours très rationnelle, le capitaine Haddock, contrairement à nos astronautes professionnels, a tendance à exagérer sur le whisky, même lorsqu'il est en plein espace. Bref, il y a une transition après entre la science-fiction et la science tout court. Alors voilà une série de très belles photos, je trouve, de quelqu'un qui s'est amusé à jouer avec la pleine lune, à la porter carrément, à l'encadrer, bref, un voyage aussi vers la pleine lune ici. Depuis l'origine des êtres humains, la lune a toujours fasciné.
et elle est emblématique d'un monde inatteignable. Et en conséquence, elle est également la quintessence de désirs parfois irraisonnés. 3 siècles et demi après Galilée, 1609-1610, il y a eu d'énormes progrès technologiques. L'imbécilité humaine est toujours la même, mais les progrès technologiques ne sont pas niables. En 1957, l'URSS lance le premier Sputnik 1, le premier objet artificiel qui va tourner autour de la Terre. Il y a ensuite, en 1961, le premier homme dans l'espace qui va faire aussi quelques révolutions autour de la Terre, Yuri Gagarin. Et beaucoup d'Américains pensent que les USA sont en train de perdre la compétition spatiale face à l'URSS. Tous les Américains et les Soviétiques ont raflé le plus possible de V1 et ont essayé de se réserver les génies allemands qui avaient travaillé au projet. Et y a une compétition qui est typique de cette fameuse guerre froide. Le programme Apollo, lui, va être lancé en 1960, il va être élaboré, en 1960, durant la fin de la seconde administration d'Eisenhower, et il est considéré comme une suite possible, à ce moment-là, des programmes Mercury et Gemini qui ont été initiés par les Américains. Alors, Apollo, c'est évidemment le dieu de la raison, de la musique et de la poésie. C'est un superbe, c'est en fait une copie romaine d'un ancien bronze grec, copie qui date du temps d'Adrien, donc 100-120 après Jésus-Christ. Et c'est le sommet de la sculpture gréco-romaine, dirais-je. Et en 1962, durant plusieurs discours, le président Kennedy va réussir à persuader le peuple américain, donc le Congrès aussi, de se lancer dans la course à la Lune. Et ils vont construire le programme Apollo, la fameuse Saturne V. Et il y a quelque chose de complètement aberrant sur cette photo. Je ne sais pas si vous le remarquez. Vous ne pouvez pas avoir la pleine lune qui est ici dans la direction du coucher de soleil. Quand vous avez un coucher de soleil avec une pleine lune, la pleine lune, elle est dans votre dos. Donc elle a dû être, il n'y avait pas encore en ce temps-là Photoshop, mais je l'ai corrigé et donc voilà l'original de la photo. Superbe programme, les capsules Apollo sont lancées par d'énormes fusées qui font 111 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, 111 mètres de haut, de longueur. C'est essentiellement la taille du Rolex Learning Center, ici, qui fait quelque chose comme 150 mètres. Donc, c'est à peu près, probablement que c'est la largeur du Rolex Learning Center. 3000 tonnes au décollage, 3 étages, et il arrive à satelliser autour de la Terre, ce qu'on appelle Low Earth Orbit, 140 tonnes et presque 50 tonnes que l'on peut envoyer vers la Lune. Alors, quand on va vers la Lune, on ne va jamais le long d'un chemin tout droit. Il faut faire des... Grâce à la mécanique newtonienne, on est obligé de faire beaucoup de virages. On décolle, on tourne de temps en temps pendant un certain moment autour de la Terre, puis ensuite on fait une très belle arabesque pour atteindre la Lune 3-4 jours plus tard, qui entre-temps s'est bougée le long de son orbite, elle tourne autour de la Terre. La hauteur, en fait, pour donner une idée intuitive, la hauteur, en fait, elle correspond à la hauteur de la flèche de la cathédrale de Lausanne. C'est donc une idée. Imaginez qu'un jour, on voit la cathédrale de Lausanne décoller de la cité. Ce serait, et c'était encore 30 mètres, 40 mètres plus haut. Malheureusement, je n'ai jamais vu le décollage d'une fusée Saturne, mais j'aurais été très intéressé. J'ai vu une fois un vol de navette qui a décollé. C'est assez impressionnant, il faut le reconnaître. Mais ce devait être encore plus.
Voilà, il y en a certains restes de fusées qui n'ont pas été utilisés, sont dans les centres à Houston et puis aussi en Floride, à Cape Kennedy. Vous avez, et ça donne une idée de la grosseur des moteurs, la longueur de l'objet. Bref, c'est extrêmement impressionnant et c'est un miracle technologique que l'on ait réussi à faire décoller ces fusées sans trop de dégâts. Il y a eu plusieurs vols importants. Il y a eu 17 vols du programme Apollo. Ça a très mal commencé par, en fait, Apollo 1, qui a brûlé au sol lors d'un décès technique, et les trois astronautes sont décédés. Il n'y a pas eu de vol Apollo 2 et 3. Je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi. Et puis ensuite, les vols de préparation jusqu'à Apollo 8, Frank Borman, Jim Lowell et Bill Anders, qui sont allés simplement tourner autour de la Lune. Ils décollent ici le 21 décembre 1968 et ils font 2-3 tours de piste avant de se lancer vers la Lune. Ils tournent autour de la Lune sans atterrir et puis ensuite, au bout de quelques jours, ils reviennent ici et atterrissent sur la Terre. C'est donc les premiers hommes qui ont pu s'échapper du champ gravitationnel terrestre. Vous avez la Terre, la Lune, et il y a des points ici qu'on appelle les points de Lagrange, un grand mathématicien français du fin du 18e, début du 19e siècle. Et ces points sont des points d'équilibre. Et quand vous, par exemple, quand vous vous éloignez de la Terre pour aller vers la Lune, il y a un point, en fait, vous vous échappez du champ gravitationnel terrestre pour être dans celui de la Lune. Donc, ça veut dire que si votre moteur, quand vous êtes dans cette région-là, ne marche pas, eh bien, vous ne revenez jamais sur Terre. Donc, c'était être un petit peu émouvant pour ces braves astronautes. Et donc, ça a été le premier équipage à se libérer du champ gravitationnel terrestre. Le vol a lieu aux alentours de Noël 1968, je me rappelle très bien, j'étais adolescent ce temps-là, et c'était une période durant laquelle l'humanité rêvait encore à un développement astronomique de l'astronautique. On imaginait qu'on allait faire des voyages, aller en week-end sur la Lune et je ne sais quoi, et c'est le moment aussi où était sorti un des plus beaux films de science-fiction, si ce n'est pas le plus beau film de science-fiction, qui est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et dans ce film, il y a énormément de science, puis il y a énormément aussi de poésie. De nouveau, on retombe sur la science-fiction. Il y a le fameux astronaute qui est en train de vieillir après avoir passé dans les portes dimensionnelles. Bref, je ne vais pas vous raconter tout le film. Il y a le fameux alignement de ce monolithe qui induit en fait des progrès intellectuels dans l'humanité, l'alignement du Soleil, de la Lune, avec le fracas de « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss. Bref, c'était un des films, j'en étais sorti, mon petit frère et moi étions allés le voir au grand cinéma Romandie, et nous en étions sortis complètement mesmérisés, on avait mis 3 jours à s'en remettre, même plus. Et voilà une photo de Apollo 8 qui est prise, qui a fait d'ailleurs le tour de la Terre, c'est le cas de le dire, au sens propre et figuré, qui a même, en fait, et comme c'était Noël, ils ont, le côté religieux aux États-Unis, a fait mettre ce début de la Bible, In the Beginning God, et on voit la Terre, pas très bien représentée ici, puis la Lune depuis là. C'était une période extrêmement enthousiasmante. Et puis, il y a eu 2 autres essais, les Apollo 9 et 10, qui étaient des tests, en fait, autour de la Terre, autour de la Lune. Et puis, il y a eu les premiers qui sont vraiment allés marcher sur la Lune, Armstrong, Aldrin, qui ont marché pour la première fois sur notre satellite. Et c'est donc un progrès en un sens historique, au sens philosophique, au sens de l'humanité telle qu'elle se représente dans l'univers. Nous étions capables de nous échapper de notre Terre, de notre basse Terre ici. Alors ça, c'est une photo. Apparemment, il n'y a pas de photo de Armstrong, mais il y a des photos de Aldrin prises par Armstrong. Et la seule photo de Armstrong sur la Lune, c'est lui ici en train de prendre la présente photo.
un peu par hasard. Je pense qu'ils étaient un peu émus, ils avaient autre chose à faire aussi que de se prendre en photo les uns les autres. C'est le décollage, plutôt le retour au moment où le module lunaire ici remonte vers le module qui est en train de tourner de façon constante autour de la Lune. C'est le module lunaire qui rejoint ce qu'on appelait le module de commande. Toutes ces photos sont d'ailleurs disponibles sur les archives de la NASA. Et, c'est, et ça, il y a eu un autre timbre postal qui a été fait à cette occasion, qui est d'une beauté artistique toute relative, il me semble. Bref, et puis ensuite, il y a eu quelques autres Apollo. Et puis petit à petit, Apollo 11, tout le monde regardait à la télévision. Apollo 12, tout le monde regardait encore. Apollo 4, Apollo 13, ils ont eu une chance folle. Ils ont eu une explosion à l'aller et ils ont tourné autour de la Lune et ils sont revenus. S'ils avaient eu la même explosion au retour, on n'en aurait pas revu. Ils auraient en fait péri dans le trajet. Il y a ensuite 14, 15, 16 et 17, et il faut bien reconnaître que l'enthousiasme des êtres humains s'est un peu estompé. Aller regarder pendant des nuits entières des soldats américains, c'était tous essentiellement des pilotes de l'armée de l'US Air Force, certains étaient des anciens du Vietnam, aller se mettre au garde-à-vous devant le drapeau américain sur la Lune. Au tout début, c'était très enthousiasmant. Au numéro 17, ça l'était un peu moins. Voilà Apollo 17. Alors vous voyez que là, ils avaient des jeeps maintenant pour aller se balader sur la Lune. De nos jours, on a des rovers, mais sur Mars. Et ils ont ramené, les tout premiers sont restés moins de 24 heures. Et puis les derniers sont restés quand même 3 jours et 3 heures. On avait un peu moins de soucis, comme tout avait bien marché jusqu'alors, on savait que les gens avaient une assez grande probabilité de pouvoir remonter vers le module de commande et rentrer sur Terre. Donc les gens restaient un peu plus longtemps sur place et ont récolté des roches lunaires, etc. 12 hommes durant ces 6 vols Apollo qui sont représentés ici en vert, pardon, ici, là et là. Apollo 11 est le premier ici à avoir atterri. Et ces 12 hommes ont été les 12 seuls êtres humains à avoir marché sur la Lune. Il faut dire aussi que le retour scientifique était relativement modeste. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les programmes Apollo se sont arrêtés et que l'on n'a pas envoyé tous les deux mois, deux hommes se balader sur la Lune. Parce qu'au bout de quelques temps, on se disait, mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, à part être sur la Lune? La première fois, c'était absolument fulgurant de nouveautés. Apollo 17 l'était un peu moins. On pourrait imaginer aussi que ces temps étaient les temps bénis d'une humanité en train de se consacrer à la science. En fait, ça n'était pas des temps beaucoup plus facile que de nos jours. Je vous rappelle qu'en 1968, il y a eu énormément d'émeutes à Washington. Il y avait énormément de problèmes raciaux, sociaux aux États-Unis. C'est peu après l'assassinat de Kennedy, peu après l'assassinat de Martin Luther King. Bref, ce n'était pas des périodes extrêmement plaisantes, en tout cas pas pour tout le monde. C'était de grandes émeutes. Vous avez ici la 7e rue à Washington, puis il y a la rue O. Elles sont parallèles, il y a les lettres d'un côté et puis il y a les nombres de l'autre. Si vous descendez quelques blocs, c'est au centre de Washington, vous arrivez sur la National Gallery, le Mall. Donc c'est vraiment quelque chose qui était dans le cœur de la société américaine. Et puis, les Américains envoyaient aussi en vacances une grande partie de leur jeunesse au Vietnam. C'était quelque chose que beaucoup de gens essayaient d'éviter et on ne peut pas dire que c'était au grand avantage des populations locales. Donc on voit en fait que cette période était une période extrêmement turbulente, tout autant que la période que nous vivons aujourd'hui. On peut se dire, mais est-ce que le programme Apollo a coûté extrêmement cher? Alors, c'est en milliards d'alors et c'est en milliards un peu plus récents. Mais
il y a des erreurs, on peut, je pense, faire le calcul de façon assez différente. Le programme Apollo a coûté quelque chose comme 25 milliards de dollars, avec un impact positif pour l'humanité, même si les derniers étaient un peu répétitifs. La guerre du Vietnam, elle est ce qu'elle est, elle a été effroyable, elle a coûté 75 milliards de dollars. Les récentes guerres d'Irak et d'Afghanistan ont coûté 2400 milliards. Le New York Times parlait plusieurs fois d'avions qui partaient avec chargés de cash et qui arrivaient en fait, qui avaient fait deux étapes non prévues et qui arrivaient complètement vides d'argent en Irak ou en Afghanistan. Il y a une corruption effroyable. Bref, la station spatiale internationale, 150 milliards de dollars, avec un impact positif sur l'humanité, même si l'impact n'est peut-être pas commensurable avec la somme qui a été investie. En fait, c'est essentiellement surtout le complexe militaro-industriel qui s'est rempli les poches dans ces quatre événements majeurs. Donc, on peut conclure en disant que la recherche et l'exploration spatiale sont significativement moins chères et aussi moins dangereuses que les guerres. On peut dire, on peut souhaiter qu'il serait souhaitable de retourner sur la Lune. Nous pourrions essayer d'aller sur Mars, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est en cela que la station spatiale est intéressante, parce qu'aller sur Mars, ce sera un voyage de 2-3 ans. Et donc, il faut avoir des connaissances médicales du comportement d'un être humain en apesanteur, et c'est ce qui se passe essentiellement dans la station spatiale internationale. Est-ce que l'humanité sera assez sage pour survivre face à sa pollution? Est-ce que on pourra en fait combler l'ignorance en promouvant la science et la paix et non les fake news? Je souligne que tout voyage vers la Lune, tout voyage vers Mars devrait être essentiellement justifié par des buts scientifiques. L'exploration spatiale, juste pour aller planter un petit drapeau sur une planète, n'a pas grand sens. Par contre, il faut des buts scientifiques, et des buts scientifiques qui sont menés à bien et non pas seulement des wishful thinking. Donc, on ne sait pas pour le moment quand on ira sur Mars. On risque d'aller sur la Lune dans, je dirais, moins d'une décennie. Et on peut se dire aussi, est-ce qu'on arrivera à résoudre nos problèmes locaux? Et ces problèmes locaux, en fait, ne sont pas du tout demandés la Lune, avec un point d'interrogation. On espère, en fait, qu'on résoudra nos problèmes sur Terre, parce que l'avenir de l'humanité n'est ni sur la Lune, ni sur Mars, mais sur Terre, avec nos problèmes que l'on espère pouvoir résoudre de façon plus intelligente que jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre ou tenter de répondre à quelques questions. Si ça peut vous aider, on donne des stickers gratuits à chaque question. Ah oui, alors je vais vite en poser une. Alors. Mais je vois que j'ai été parfaitement clair, donc je vous remercie. Et je vais me permettre de faire passer un petit examen, un questionnaire, des quiz à la sortie de cette salle. Merci d'être venu. Merci beaucoup, professeur Mélan. C'était vraiment très passionnant. D'ailleurs, je pense que si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir notre exposition, vous allez retrouver tous les personnages dont vous avez parlé, Godwin, Hergé, Félicien Apollo. Lourdes, Space at your service, je ne sais pas si vous avez prévu un questionnaire ensuite. Il y aura un questionnaire pour vérifier si on a bien compris. En tout cas, c'était vraiment gentil de votre part de venir. On prend plaisir à la bibliothèque de vous recevoir. On espère encore vous revoir. Et je vais passer la suite tout de suite à Lourdes. Si votre micro. Bon, alors, si vous venez à une conférence, c'est déjà pour la conférence, mais c'est aussi pour gagner des trucs gratuits. Donc, cette première photo, à votre avis, est-ce que ça vient d'un film ou est-ce que c'est une vraie photo? Vous pouvez la noter sur la feuille si vous avez un stylo. Mais vous sous-entendez qu'il n'y a pas de vraie photo dans les films? Qu'il n'y a pas de vraie... c'est une bonne question.
Je sais. Je vous taquine. Oui, tu peux. Vas-y. Hop là. Ouais, du coup, bon, je m'appelle Julien, rapidement. Je peux pas participer à ce genre de service, mais j'aide pas mal. En gros, il y a des, bien sûr, il y a des images réelles dans les films. Mais là, ici, la question, c'est typiquement, genre, ces images, est-ce qu'elles viennent d'un film? Mais quand on dit film, c'est vraiment, elles ont été créées par studio, tout ça. Ou bien est-ce qu'elles ont été... Non, mais jamais compris. Ah oui, parce, voilà, c'était juste aussi pour dire aux gens. Donc oui, bien sûr, des fois, dans les films, il y a des images réelles, et heureusement. Mais non, là, la question, c'est vraiment, est-ce que ça a été créé, ben, est-ce que ça a été dessiné, ou tout ça, ou est-ce que ben, ça a été vraiment, vraiment pris? Voilà. Merci, Julien. Ok, alors celle-là, vraie photo ou film? Je sais pas si vous voyez. Je passe à la quatrième. Si vous réussissez à avoir plus de 8 bonnes réponses, vous avez... des goodies gratuits Space at Your Service. Bon, et les deux dernières, elles sont un peu plus simples. Ah non, non, il y en a plus que 14. Ah, il y en a 15. On est à 13. Ok, bon. Les deux dernières, c'est un peu des bonus quand même. Bon, et la dernière, elle est vraiment... Voilà, très très obvious. Ok, alors vous pouvez échanger votre file avec votre voisin pour qu'il vous corrige, pour éviter toute tricherie. Ok, alors première photo, bah, ça vient de Sol sur Mars. Voilà. La deuxième, c'est une vraie photo. Ensuite, on a encore Sol sur Mars. L'Odyssée de l'espace. Voilà, Alan Shepard, commandant de la mission Apollo 14. Donc celle-là, c'est une vraie photo. Celle-ci aussi. Ensuite, on avait Gravity. La photo du satellite. Encore Sol sur Mars. Celle-là, c'est une vraie photo. L'Odyssée de l'espace. Gravity. Encore l'Odyssée de l'espace. Ouais, celle-là, elle est connue, hein. Interstellar, bon, elle est certaine aussi. Ouais. Et bon, voilà, une vraie photo d'un trou noir. Voilà, bah, c'est la fin de cette conférence. Je tenais à vous remercier d'être venu, de la part de Space at Your Service. Si vous avez des questions, ou même si vous voulez nous aider à continuer d'organiser ce genre d'événement, on a une petite fusée ici qui sert aux dons. Et on aime bien dire qu'il faut nous aider à fuel the rocket. Donc voilà, je serai ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez plus de 8 bonnes réponses aussi, venez me voir et je vous donnerai des goodies gratuits. Voilà, merci encore à tous. Merci.
Oui, merci beaucoup pour cette découverte, une grande découverte de nombreux films où c'était pas évident. Ben voilà, c'est déjà la fin des conférences, hein, c'était rapide, 4 jours, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir encore voir notre exposition qui se trouve juste derrière, en haut à gauche. Et merci à tous pour votre participation, merci beaucoup à toute l'équipe de la bibliothèque aussi, hein. Merci Aurore, Franck, Florian que je vois pas, François qui va se cacher, Sylvain, sans qui ben, on n'aurait pas tenu ces 4 jours. Et je vous souhaite à tous encore une belle journée. Merci.